Bonjour à tous, chers amis du Petit Ballon. Je suis avec notre cher ami et sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous. Pour déguster une, un bon champagne, je suppose. Euh, oui, champagne, bon, en principe, c'est très bon, ça fait rêver les gens. C'est le bonheur, là, Voilà, mais là, on est sur n'importe quel champagne, la maison Tienneau, qui est une maison récente. Alain Tienneau a créé sa maison il y a peu de temps par rapport au monde du champagne. Et là, on est sur un millésime 2007. Donc, nous sommes en 2017. Donc, si on calcule, c'est un. 20 qui a 10 ans, donc il a au moins 9 ans de cave et ce qui est plutôt un grand signe de qualité, donc un vieillissement prolongé en cave. Et si mes cours sont bons avec Jean-Michel, si le champagne est millésimé, c'est qu'on a décidé de… De le millésimer parce que c'était une excellente ouais, année. D'accord, voilà. okay. Donc on va essayer de ne pas faire de bêtises. Il est encore comme… Euh, voilà, toujours le pouce sur le bouchon. Et on tourne pas le bouchon, on tourne la bouteille. Bien évidemment. Ça on a tous regardé les astuces de Jean-Michel. Magnifique. Oh, moi j'adore, j'adore. Alors le il faut coup, surtout quand on sert juger la bulle. Ah. Voilà, la mousse, la bulle. Donc là on a un vin qui est apparemment vivace parce qu'il y a plein de bulles. Exactement. Et Alors, la mousse, c'est bon signe, pas bon signe Si, c'est bon signe, effectivement. Mais ce qui est important, c'est de juger les bulles. D'accord. Donc là, on a une très belle robe or. c'est vrai que beau. Assez soutenue, un petit peu dorée, brillante. Et à l'intérieur, on voit de nombreuses bulles assez vives, mm -hmm. qui montent rapidement et qui forment un, un petit cordon et cette fameuse mousse un petit peu crémeuse. D'accord. Et après, il y a la taille de la bulle qui joue aussi Oui, plus le vin reste en cave, là, on a 9 ans. Plus la bulle sera fine, donc c'est un signe de qualité. Parfait. Donc là, là c'est une bulle fine Très fine. D'accord, parfait. Ok, au nez, ça sent le champagne, c'est déjà bien. <laughs> ça sent le champagne. Sent en bon. fait, là, nous sommes sur un assemblage de chardonnay principalement, un peu de, et du pinot noir également. Alors le chardonnay, c'est cette finesse, cette dentelle, ce côté floral, un petit peu agrume. Et le pinot noir, c'est lui qui va donner ce côté un peu compoté, euh, bon. poire, pomme, etc. Très 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 belle odeur, hein. ouais, ça très vrai. Vrai. magnifique. Parfait. Et en bouche bien Alors sûr. en bouche, beau volume, bon. beau volume en bouche. Bon. Hein, on a toutes les expressions fruitées qu'on avait et florales qu'on avait au nez, ça, avec vrai. les bulles qui apportent cette fraîcheur en milieu de bouche, qui titille un petit peu le, mmh. la langue, c'est vraiment agréable. Et c'est surtout un vin qui est assez structuré, qui a une belle longueur. Effectivement, sur un euh, vintage, euh, sur un champagne oui. mélisimé, on attend à des vins un petit peu plus structurés, avec un peu plus d'arômes euh, et beaucoup plus de longueur en bouche. C'est le cas avec ce magnifique champagne Tienno 2007. Eh ben, merci Jean-Michel. Comment, euh, justement, faire en sorte de le sublimer Comment Alors, température le le en général, on dit 6-8 euh, sur un champagne en Donc, général. Très Très frais, mais comme là on est sur un qui 24-10 ans, moi je dirais plutôt 8-10 que 6. D'accord. Voilà, un petit peu plus juste, 2 degrés au-dessus. Donc cest veut dire qu'on laisse 2 heures au frigo Oui, à peu près 2 heures dans la porte okay. du frigo. Parfait. Alors, euh, un champagne, une fois que vous l'avez, euh, qu'on vous l'a offert ou que vous l'avez reçu... Inutile de le garder une éternité à la cave. Une fois qu'il est commercialisé, qu'il a été bouché, etc., c'est un champagne qui est prêt à boire. Alors un millésime, vous pouvez le garder si vous voulez trois ou quatre ans en cave, mais n'allez pas trop loin dans la gare. Donc profitez-en au contraire le plus tôt dès qu'il est là, c'est qu'il est prêt. Ouais, toute occasion est bonne pour voilà. boire un champagne. Donc là, c'est un champagne qui est un petit peu vineux, avec beaucoup de finesse, donc c'est un champagne qui rentre dans le repas. On peut le boire à l'apéritif si on veut, mais moi je le vois plus sur des crustacés, sur un risotto. Euh, un risotto crémeux, mmh. des coquilles Saint-Jacques, très beau poisson, une viande blanche. Voilà, c'est vraiment. Hein, là, on arrive au moment des fêtes, par exemple, ben des belles volailles. Ça, ça, ah oui, parce que parfois, moi, on boit toujours le champagne à l'apéro. Oui, mais en fait, ça, se, ça, ça peut dépend de champagne. Il y a des champagnes pour l'apéritif, il y a des champagnes pour les poissons, il y a des champagnes pour les plats, ah, il y a des champagnes pour les fromages, et il y a des champagnes demi secs la plupart du temps pour les desserts. Okay. Donc le champagne, c'est du vin, donc il y en a plusieurs sortes. Ah, voilà. On savait pas ça. Et mmh. comment reconnaître alors Un champagne, oui, ça se assez... Là, là, je serais très, très chauvin là-dessus. Je pense que les vins rouges, les vins blancs, on en trouve de magnifiques dans le monde, mais dans les effervescents, la champagne reste quand même mmh, ça au top. Bien, ouais. mmh. Eh bien, merci beaucoup Jean-Michel pour cette belle découverte. Donc très belle maison, Champagne Tieno, millésime 2007. Merci à la famille Tieno pour ce bon breuvage. Et bonne dégustation à vous tous. Bonne dégustation.